À travers cette série de vidéos, nous allons vous raconter notre récit de voyage sur ce magnifique pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, nous étions partis du Puy-en-Velay. Après avoir marché plusieurs jours, nous nous sommes arrêtés à Figeac. Ce n'était pas un choix, mais bien une obligation. Une fois rentrés à la maison, l'appel du chemin était beaucoup trop forte, alors nous avons pris la décision de repartir de Figeac. Oui, mais nous ne voulions pas rater l'opportunité de nous rendre à Rocamadour. Là où tant de rois, d'abbés, de papes et de saints se sont rendus. Nous voulions, à notre tour, suivre leurs traces, et pouvoir avoir l'honneur de nous agenouiller devant les reliques de Saint Amadour. Nous avons ensuite continué, direction Moissac, là où était notre destination finale pour cette année. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour une vidéo, enfin une série de vidéos épiques. Okay, oui. Où c'est qu'on est, mon brosure? Eh ben, on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, au départ de... De Figeac. Voilà, c'est qu'on s'est arrêté la dernière. Donc là, on est à Figeac. On ne fait pas le GR65, on fait une variante, petite variante. GR6, la voie de Rocamadour. Voilà, et ensuite de Rocamadour, on rejoint Cahors. Donc là, ben, vous êtes sur la première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire, ça vous a plu. J'espère que ça vous aura plu la vidéo. Mais pour le moment, elle n'a pas tourné. On a déjà plus d'eau. Bah, après, il y avait le voyage, donc forcément, on a déjà plus d'eau. Ouais, c'est ça. Youpi. Et puis non mais voilà, en gros petit débrief, là on est parti, on a eu presque 9 heures de route, on est arrivé à 15h, c'est ça? Ouais. 15h, on a visité un petit peu Figeac, là il est 16h15, on a visité un petit coup Figeac parce que la dernière fois on n'avait pas pu visiter. Et puis là bah, on est sur le GR6, on vient seulement de commencer, donc voilà, on commence la vidéo. Et puis bah, du coup forcément avec la voiture etc, on a pas mal bu, là on a plus d'eau, on va essayer de trouver de l'eau. Et puis ce soir, ben, bivouac, voilà. Ouais. Et puis voilà, je vous reprends après, quoi. Il y a plus de choses à montrer, à dire. Et quand on est aussi un petit peu plus imprégné du chemin, là on vient d'arriver, oui, on est encore dans le voyage en voiture. Ça a déjà bien commencé déjà. Mais ça a déjà très bien commencé. Oui, on en fera une petite... on en parlera après. Bon alors du coup, quand on vous a parlé, on était à Figeac, à la sortie. Mmh. Puis là, du coup, on a fait quoi, 2 km à peu près? Wow, oui, on est juste sorti en fait. Ouais, on est sorti, on a longé une petite route. Ceux qui connaissent le GR6 Rocamadour, du coup, on est juste à côté de Figeac, quoi. 2 km. On fait 2 km et puis moi, je suis crevé parce que j'ai conduit, j'ai fait quasiment 9 heures de route. J'ai vu un endroit de bivouac, j'ai dit on se pose parce que je suis crevé, j'ai mal au crâne. Et puis, franchement, il est bien le bivouac. Ah bah oui. Voilà, lieu de bivouac parfait ici. Ici, il y a une petite poubelle. Là, il y a le ruisseau qui passe juste ici pour pouvoir se laver, faire la cuisine et tout. Et puis après, il y a une table. On est bien. Bon, après, le chemin, il commence réellement demain. En vrai. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit à la base. Oui, à la base, on ne devait pas marcher aujourd'hui déjà. Donc,
c'était la route. Ouais, c'est ça. Donc là, le chemin, il commence vraiment demain. Puis voilà. Voilà, voilà. Là, je vous crois, je vais vous montrer un homme gromagnon. Alors, suivez-moi. Soyez bien, bien prêts, parce que là, c'est une dinguerie, ce qui arrive. Voilà. Bah, bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur. L'homme, l'homme gromagnon. Bonjour. Je suis en train de filtrer de l'eau. Oui, avec oui, un débit. Un débit très élevé, oui. Voilà, hein. Voilà, voilà. Et en même temps, ben, je me fais une baignade de pied. Voilà. Ben ouais. Ou bien. Voilà. On vient de faire notre toilette. Ouais. On vient de se nettoyer. Puis voilà. Ben voilà. Ouais. Ouais. Allez, salut. Au revoir. Bon, ben voilà, le bivouac est posé. Le broseur qui va se laver les dents. Tu vas te laver les dents au broseur? Ouais. Là, la Shan 1 Pro, la tente de mon père, je ne sais plus ce que c'est comme marque. Un grand canyon. C'est une deux places. Et puis la mienne, que vous connaissez. Voilà, on est bien. Bon, ben voilà, fin de la première journée. Enfin, c'est pas une première journée, hein, on s'est... On a rien fait, hein. On a fait 2 km, on a planté le bivouac, on s'est lavé, on a mangé. Voilà, là je vais regarder, comme d'hab, comme je vous avais dit sur la GTJ, la carte de main, ce qu'on va faire comme étape. Voilà, les petits villages, les ravitaillements possibles, etc. Parce que là on n'a pas non plus beaucoup de ravitaillements, parce qu'on sait que sur Saint-Jacques il y a quand même beaucoup plus d'épiceries, de petits commerces. Donc je me prends pas la tête avec ça. Et puis voilà, donc demain, je ne sais pas du tout l'étape qu'on a prévue. J'ai pas... On va faire à peu près 20-25 km. Et puis on s'arrêtera quand on s'arrêtera. Voilà. On aimerait bien trouver un camping demain, on verra. Voilà. Du coup, je vous dis à demain. À demain, Brosure. Au revoir. À demain, du coup, pour le début de l'aventure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Allez, bonjour tout le monde. Bienvenue pour le jour numéro... 2 mais 1 de marche. On est... Donc jour 1 de marche, mais jour 2 sur le chemin. Voilà. Est-ce que tu as passé une bonne nuit de bivouac? Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai passé une super nuit. Ah ouais? Bon, on vous reprend, du coup on a fait à peu près 8 km parce qu'on a Cardaillac. On a déjà fait 8 bornes. Ouais, on a fait 8 km, on a Cardaillac. Okay. Si on avait fait 2 km oh, à peu près hier. Aussi, ouais, là le chemin il va tout seul. Franchement très très beau, beau paysage. Ça change de chez nous en Franche-Comté. Ouais, ouais, bah, tu vois qu'on est dans le sud. Là. Ouais, on est plus dans le sud largement. C'est pas le Jura, le Doubs, tout ça, ouais, clairement. Ça change, pour nous ça change. Même les maisons, comment dire, les maisons des gens quoi. Oui. Les maisons, c'est les déjà couleurs, plus les mêmes que nous, les couleurs, les tuiles. Oui. Donc c'est agréable parce que ça bah, tout change. Ouais. Puis voilà, là on va aller à l'église de Cardaillac, voir un petit peu comment elle est. Oh, et puis il y a un château, magnifique. On découvre en direct hein, en même temps que vous. Hein, on découvre un peu. On va aller voir ça. Et puis là on n'a plus d'eau, donc on va essayer de trouver de l'eau. Et puis, voilà. Pour le moment, tout se passe bien, franchement. Ouais. C'est un régal. Bah oui, ça commence très bien. Bah, c'est Saint-Jacques, quoi. C'est un régal. Oui. Thank you.
petit jardin médiéval. Petit jardin cardaïque alors. Oh là 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 là. Que dire ? C'est des cultures. Hein ? Alors là, cardaïque, c'est d'une... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis content d'avoir fait un itinéraire où c'est que vraiment on peut prendre notre temps à fond. Là, on va pouvoir vraiment profiter du village. Mais qu'est-ce que c'est beau, Cardaillac, qu'est-ce que c'est beau. Et là, il y a un petit village médiéval. Pas un village, un jardin médiéval. Je vais vous faire le tour en vidéo. Sublime, un vrai régal. Le jardin médiéval devait être un lieu de bonheur, de réflexion et de méditation. Il était souvent clos. Il était clôturé à l'aide de murets de pierre ou de bois, selon les régions. Les arbres, les arbustes et les fleurs ornementales étaient souvent mêlés aux cultures beaucoup plus nécessaires à la vie, telles que le potager ou les plantes médicinales. Le jardin était obligatoirement construit vers une source d'eau, ça pouvait être un puits, une fontaine ou encore mieux un ruisseau. Quand l'espace le permettait, le jardin était séparé. Le jardin médicinal, appelé à l'époque le jardin des simples, le ménager aujourd'hui appelé le potager, le jardin d'amour pour le verger, étaient séparés. À l'époque médiévale, le jardin était essentiel, surtout pour les vilains et les moines qui se nourrissaient principalement de pain. Ils le trempaient dans un bouillon d'herbes, ces herbes étaient appelées des plantes à pot, d'où le nom de potage et de potager. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce village pour le moment ? Bah écoute, on n'a pas vu énorme pour le moment, mais ça suffit déjà pour que. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu en penses de. Il y a Mastery qui se met en même temps. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit jardin ? Est-ce que tu serais capable de le reproduire chez toi ? Je fais déjà pas de jardin. Par contre, je suis capable de voir que c'est un truc de fou. Ouais. C'est beau. Ouais. Non, c'est beau. C'est juste que ce que tu as dit, que ce qui est beau dans les villages, c'est que c'est l'humain qui rend beau tout ça. Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien les petits villages vraiment beaux, propres. Toi, au final, ce que tu préfères de composter, c'est limite ça, les villages. Ah ben moi, de toute façon, je le dis tout le temps. Moi, pour moi, un super beau petit village, super bien entretenu, c'est aussi beau que ouais, qu'un c'est paysage. Vrai. Hein. Là, c'est magnifique, là. Puis là, bah, ce qui fait que c'est beau, c'est l'humain aussi. Ouais, c'est vrai. C'est l'humain qui. Oui, qui entretient tout ça, ça. Ouais, c'est magnifique. Hein. Bon, après, t'enlèves les fleurs, c'est pas pareil. Mais bon, voilà quoi. Dans l'idée. Non, franchement. Oh là là. Alors, ce puits ? Un petit moment d'histoire. Apparemment, le puits ferait 21 mètres. 21 mètres de profondeur. Ça va.
parce qu'elle est pas très haut. Le nom, c'est le Manganel. Le Manganel, ouais. Puis c'était une place, c'était quoi ici? C'était... Apparemment, c'était le nom Occitan d'un mortier. Ok. Apparemment, c'était une place. Ouais, c'est la place et le puits. Donc, c'était la place en fait du fort. C'est ça. C'est ça ouais. Ouais. Ok. Donc là, en fait, on est dans la place du, oui, de l'ancien fort, quoi. C'est ça. Enfin, l'ancien, il est encore bien présent. On va vous montrer ça. Alors, cours d'histoire. Nous voilà à la tour de Sagne ou de la Capelle, là de nous en haut. Okay. C'est une tour du XIe siècle, d'architecture romane, qu'on peut encore visiter. Donc on va aller voir juste après. Alors, elle servait de défense, elle avait un pont volant situé à 4 mètres de hauteur. Et puis. Le pont, t'as vu, il pouvait être relié au rempart. Donc il était à 4 mètres de haut et il était relié au rempart. Ouais. Oh, c'est fou. C'est fou. Puis elle appartenait au baron de la Capelle. Ok. Et bien, merci pour ce petit dessin. 8 mètres de côté. 8 mètres. Et 2 mètres d'épaisseur de mur. Ouais. Et 21 mètres de haut. Puis elle a duré des années parce qu'apparemment en 1700, elle était encore là presque. Ouais, voilà, elle est encore là. Oui, mais je veux dire. Ouais. L'utilité. Enfin, ouais. L'utilité, quoi. Bon, on vient d'arriver. C'était quoi le petit village? On n'a pas vu. Moi, j'ai pas fait gaffe. Non. En gros, on a bifurqué dans un petit village sur la. Je vais vous montrer, vous allez voir le panneau, c'est super cool. Franchement, c'est trop bien. Il y a écrit le bon coin du GR6. Et puis là, vous avez en fait, c'est sous forme de donativo, vous mettez ce que vous voulez en gros. Puis vous avez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous avez des croix, enfin voilà, c'est super cool, je trouve. Du coup, mon frère, il avait pas de coquille Saint-Jacques, donc il a pris une coquille. Voilà, il a pris une coquille. Et puis, moi, j'ai pris une carte. Une carte du village où on va là, enfin la direction. La capelle, je sais plus, là, je redirai ou je marquerai dans la vidéo. Une carte en fait de la capelle du 15e siècle. Bon, pas la carte date pas du 15e siècle, mais je veux dire la ville où on va quoi. Et du coup, j'ai craqué, j'ai trouvé ça beau. Puis vu que c'est sous forme de donativo, voilà, on a mis chacun une pièce et tout. Et j'aime bien. C'est vrai que c'est des petits trucs sur le chemin de Saint-Jacques que j'adore, ça. C'est sympa. En plus, j'avais pas de coquille, donc nickel. Bah ouais, c'est bien, c'est cool. En plus, elle a une histoire, celle-là. Bah du coup, celle-là, ouais, tu l'as achetée... Enfin, ouais, tu... Oui, si, tu l'as payée, mais enfin, on se comprend. Elle a une histoire. Bah ouais. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Et puis moi, la carte, là, ça va me faire un beau souvenir, c'est vrai que... C'est génial. Bon, on va se poser pour manger, il est midi et quart. Et puis, on a trouvé un truc... Il fait très très chaud là, il fait très très chaud. On a trouvé un truc super cool, je vais vous montrer. Un corps de ferme. Et je vous laisse lire. Donc voilà, c'est très très gentil. Merci beaucoup aux gens qui font ça. Bon, alors c'est mon frère qui filme. C'est un professionnel de la caméra. Pas du tout, non. Donc vous avez vu, je vous ai montré le petit abri qui était aménagé par des gens, du coup, super gentils. Et juste après, vous avez un panneau où il y a écrit « Accrochez-vous, il vous reste 400 mètres de montée pour arriver en haut, signé Bernard. » Et quand on arrive en haut de la montée, je te laisse dire ce que tu vois. Bah là, on a tout un panel de ressources, hein, d'eau, de café, de sirop, etc. Et ouais. Mis à disposition par Bernard. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci bien. C'est génial. Non mais c'est pour ça que, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'aime autant le chemin de Compostelle. C'est,
Ça, c'est magique, quoi. C'est des moments magiques, vraiment. Ouais, ouais, c'est agréable de fou. Ouais, c'est top, franchement, c'est top. Donc, merci Bernard. Merci bien. Ça va mon brother? Tu supportes la chaleur? Il fait chaud. Il fait chaud là. Ouais, on n'a pas fini là. Et puis mercredi, c'est pire. Mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, alors on s'en 42 va. D'annoncé. Qu'est-ce t'en dis? 42, qu'est-ce que c'est que 42? Ouais. Pas grand-chose, hein? Non. Bon, puis moi, du coup, j'avais pris une chemise. Bah, je suis content. Ça me permet d'ouvrir là au niveau du torse. Et. Pouvoir remonter le col, alors ça fait un peu comment on pourrait dire ça, un peu beauf quoi, ouais. Hein, ou alors un peu mode de 2000, mais ça protège bien du soleil. Puis voilà, donc là on va à la Capelle, on essaie de trouver un camping parce qu'il nous faut une douche, on n'en peut plus. Terminée, on est parti de Figeac, j'ai un trou de mémoire, ouais, et on est à La Capelle. La Capelle, c'est parti. La Capelle, je vous marquerai dans la vidéo. On a fait à peu près 23 km, magnifique, plus belles étapes du chemin. Une des plus belles étapes que j'ai fait pour le moment de Compostelle. Largement. Là, on est au camping de La Capelle, je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà. Voilà. Camping de La Capelle, comme ça on va aller se laver, faire une lessive, et puis voilà. Et puis du coup, je vous dis à demain pour la suite. Demain, on va à Gramma, c'est ça? Gramma. Ouais. Gramma, on a 20 km demain, on fait des toutes petites étapes, comme je vous ai dit, enfin toutes petites étapes. On fait des étapes, on va dire, assez. Disons qu'on les rallonge pas. Quoi. Voilà, on fait des petites étapes pour nous, parce qu'il fait très chaud. Déjà, franchement, il fait très chaud. Vendredi, ils annoncent 42 degrés. Donc là, on se prépare mentalement à vraiment subir la canicule. Et puis voilà, du coup, je filme pas plus, je recharge mes caméras. Et puis je vous dis à demain pour la suite du chemin. Ouais, à demain. Salut tout le monde.